Ouah, c'est la rentrée et le retour de la charge mentale. Je vous en parle tout de suite parce qu'il y a quelque chose d'important à savoir. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. Je vous accompagne à justement lever la charge mentale aujourd'hui et surtout à vous expliquer quelque chose qui est très important. Déjà, pour resituer, je suis une maman qui a eu 3 enfants. Et qui a vécu évidemment cette charge mentale de façon assez intense, mais vous retrouverez des liens dans la description pour avoir un peu plus d'infos. Quelque chose que j'ai compris au cours de mon parcours, c'est que nous avons une réserve d'énergie. Si cette réserve d'énergie, notre corps en a besoin pour maintenir notre fonctionnement, je vais dire métabolique, que le cœur, le foie, l'estomac, le pancréas, le rein, les reins, bref, tout l'interne fonctionne, évidemment, il n'y a plus d'énergie pour faire fonctionner la partie réflexion. Et je me souviens avoir vécu ces moments où mon cerveau était mais HS, c'est-à-dire je commençais à réfléchir à quelque chose et ça faisait ouf, j'y arrivais pas, j'arrivais, c'était hyper compliqué. Et si vous regardez la vidéo et que c'est le cas aujourd'hui, bah sachez que c'est pas, comment dire, c'est pas une fatalité, c'est pas une catastrophe, ça peut revenir. Maintenant, il faut s'occuper de soi, c'est indispensable. Alors, s'occuper de soi, ça veut dire quoi? Eh bien, s'occuper de soi, ça veut dire prendre soin de son énergie, mais d'une façon globale. On n'est pas juste un esprit. On n'est pas juste quelque chose qui pense, et etc. On est aussi un corps. Et quand on fonctionne trop dans notre mental, on est toujours en train de penser, alors ouais, il faut faire tel rendez-vous, il faut penser à telle chose pour les courses, ah oui, il ne faut pas que j'oublie le truc que j'ai dit, que je ferai pour mes collègues. Enfin, si on est juste là-dedans, eh ben on oublie complètement qu'on a un corps. Et dans ce cas-là, on s'épuise mentalement. Parce que le corps, lui, il a besoin d'énergie, il a besoin de repos, il a besoin d'une nourriture saine, il a besoin de plein de choses, mais aussi certains nutriments, qui vont faire que globalement, il va bien fonctionner et il y aura de l'énergie disponible pour la réflexion. Mais quand toute l'énergie est prise à l'intérieur, eh ben, on se retrouve à plus pouvoir fonctionner. Et encore moins. Quand on est très mental, ce qui était mon cas, hein, et je sais que c'est le cas de plein de personnes, quand on a beaucoup de choses auxquelles on veut penser, quand on veut tout organiser, tout gérer, 3 enfants, une grande maison, un grand jardin, finalement, le cerveau, il n'arrive pas à tout gérer parce que ça fait beaucoup de choses. Donc, en description, c'est possible de retrouver, j'ai mis en place un petit parcours pour vous donner 5 étapes pour diminuer la charge mentale. Et il y a des choses qui viennent en complément parce qu'évidemment, au fur et à mesure de mon parcours, il y a des choses que j'ai comprises, que je n'avais pas comprises au début. Et je vous raconte tout ça dans cette séquence. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très très bonne continuation. Profitez bien du week-end. Reposez-vous. Pour être au top aussi bien physiquement que mentalement. À bientôt!